Yo les gens, c'est Blackguard HD. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, donc on se retrouve sur Black Ops 2 en point stratégique multi-équipe sur la map Standoff. Dans cette partie j'étais accompagné de The Gong et Mokimbo, donc dédicace à vous deux les mecs. Donc dans cette partie je jouais à l'AN94, chargeur rapide cross, j'avais pas d'armes secondaires. En atout je possédais gilet pare-balles, détermination, pierre et dextérité. Et en mortel je possédais le C4 et après j'avais en tactique l'insertion tactique. Même si l'insertion tactique, je ne vais pas l'utiliser dans ce gameplay. En série de points, je possédais drone de brouillage, micro-station orbitale. Donc voilà un peu pour la présentation du gameplay. Donc je précise tout d'abord que c'est une tentative nucléaire à Line 94. Donc je vais tenter d'envoyer cette vidéo à trois chaînes communautaires. Donc la Revo Community FR, la CodeGen TV et la Luisitonium. Donc j'espère qu'ils vont m'accepter, donc je les remercie d'avance s'ils m'acceptent, ça me ferait super plaisir, ça me permettrait d'augmenter ma communauté YouTube. Et je trouve que ça fait très plaisir d'augmenter sa communauté YouTube. Ça fait toujours plaisir d'avoir plus d'audience qui regarde, plus de personnes qui regardent ces vidéos. Donc voilà. Donc dans cette vidéo, je vais parler du mode multi-équipe. Et vraiment les choses qu'on peut faire dans ce mode. Donc pour moi dans le mode multi-équipe on peut faire vraiment de très gros gameplay. On peut faire vraiment durer la partie si on joue à 3. Donc le nombre de joueurs max auquel on peut jouer dans ce mode de jeu. Je trouve qu'on peut faire de très gros massacres car on peut faire durer la partie. Et si on fait durer la partie, on peut faire vraiment beaucoup plus de kills que si on joue tout seul dans ce mode. Et il y a un point aussi, c'est que en point stratégique, on peut vraiment faire encore plus de frags car ils respawnent tout autour du point stratégique. Donc en fait, vous pouvez vraiment enchaîner les ennemis à une vitesse fulgurante. C'est vraiment abusé. Donc voilà. Donc vous pouvez vraiment faire de gros carnages. Je vous conseille d'y aller à 3 joueurs max. Franchement, comme ça, vous pouvez faire vraiment de très gros massacres. Aussi je voulais parler un peu de la communauté qui va dans ce mode. Donc je trouve que sur la communauté il y a pas mal de gens qui ont soit qui viennent d'acheter le jeu, mais je sais pas s'ils viennent d'acheter le jeu, mais il y a beaucoup de gens je trouve qui ont des bas niveaux, donc des niveaux 9, des niveaux 10. Donc là au passage vous avez pu voir que j'ai tué Jonathan Joseb qui est niveau 9. Donc franchement il y a vraiment beaucoup de bas niveaux dans ce mode de jeu. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui comme moi souvent jouent à 3 et qui possède vraiment des ratios fulgurants, donc des 5 de ratio, des 6 de ratio, des 7 de ratio, et c'est vraiment abusé. Et donc voilà. Donc je vais parler un peu de ma chaîne. Donc moi c'est Blackguard HD, j'ai 15 ans, je m'appelle Charlie dans la vie IRL. Je propose des vidéos carnage sur ma chaîne. Donc des plus de 100 kills sur Black Ops 2, des nucléaires rapides, voilà, des massacres sur les anciens Call of Duty. Donc si vous aimez un peu ce genre de vidéos, ma chaîne est faite pour vous tout simplement. Et voilà, donc là au passage je débloque la nucléaire. Donc là j'ai fait mon premier invincible. Et voilà, donc je remercie encore une fois si les trois chaînes communautaires me potent, ça me ferait vraiment très plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. En approche.